Bien, merci à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Thomas Lambert, je suis en première année de licence d'histoire et je vais défendre la phrase de Georges Brassens Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Cette phrase peut faire polémique si, si par exemple elle est citée dans un débat télévisé ou dans un espace public. C'est une phrase choc qui fait certainement réagir comme bien d'autres phrases qui font polémique en ce moment. Mais je vais tenter de vous défendre cette phrase et de vous prouver la véracité de ses propos et en quoi ce propos s'inscrit-il dans notre société actuelle. Tant sur le moment politique que sur le moment médiatique tout d'abord pour comprendre mon argumentation il faut que je vous définisse pour moi euh, ce qu'est le mot con j'ai pris la définition du robert qui définit le mot con comme imbécile ou idiot ces deux adjectifs ne sont pas suffisants j'ai décidé d'approfondir le mot imbécile est défini dans le Robert comme quelqu'un qui est dépourvu d'intelligence ou qui fait signe d'une manifestation de l'imbécile, de du débile, quelque chose qui est très péjoratif, qui ne fait qui ne fait pas rencontrer euh, la, la personne. Qui, euh, qui subit l'attaque du mot con comme quelqu'un d'intelligent, qui est responsable et qui est maître de ses dires et de son argumentation. Ce qui est donc quelque chose d'extrêmement péjoratif, qui est insultant pour la personne concernée et qui euh, dénigre sa fonction intellectuelle et psychologique. Mais, cependant, on peut utiliser ce mot. Dans le monde politique et dans le monde médiatique, quand certaines personnes utilisent des propos qui peuvent être injurieux, racialisants, sexistes, homophobie, et j'en passe et des meilleurs, mais surtout, ce propos peut avoir une connotation politique. Je vais prendre l'exemple de notre très cher président de la République, M. Emmanuel Macron qui, pendant ces dernières semaines et ces derniers mois, avec la pandémie de Covid-19, nous a démontré sa capacité à ne pas gérer la crise du Covid, à faire comme bon lui semble, sans consulter les députés et les sénateurs, d'autant plus qu'il ne consentit pas non plus aux Français à entrevoir sa politique et à, à faire comprendre sa politique. Je suppose que bon nombre d'entre vous ici ont dû s'interroger à un moment ou à un autre à pouvoir comprendre ce que fait le gouvernement et le président de la République. Je suppose aussi que tout le monde a regardé l'une ou plusieurs de ses interventions télévisées où il dit notamment dans l'une de ses interventions qu'il est difficile d'avoir 20 ans en 2020, ce qui est extrêmement compréhensible, mais malheureusement, les politiques n'y sont pas, notamment les politiques en ce qui concerne les étudiants. Nous sommes les premiers concernés et nous n'avons que très peu d'aide, aussi bien sur le plan financier que sur le plan moral, que sur le plan éducatif, que sur le plan du logement. Et encore, il y a deux jours, la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Frédérique Vidal, nous a encore fait. Euh, tout un speech sur le prétendu islamo qui, bien évidemment, comme tout le monde le sait ici, n'a absolument rien à voir avec la précarité étudiante, la détresse des enseignants qui ne peuvent pas voir correctement leurs élèves, dont les enseignants affirment avec force que les étudiants ont des problèmes psychologiques, qui vont voir des psys et qui, encore il y a deux jours, vient de paraître une liste de 600 profs qui ont été traités d'islamocogisme par l'extrême droite, et dont toute la manifestation des étudiants, des étudiants et, des, et des professeurs de France s'indigne et convoque le CNRS qui a entamé une projecture judiciaire contre cette diffamation injurieuse, et montre l'imbécillité, la connerie de certaines personnes dont j'ai cité en particulier le gouvernement, madame Frédérique Vidal et une partie de l'extrême droite radicale, xénophobe et identitaire et qui notamment font des propos injurieux racialisants et tout aussi honteux pour eux-mêmes et pour la patrie française. Aussi J'aimerais aborder la question médiatique de l'imbécilité de certains journalistes que je ne nommerai pas, mais qui comportent, qui ont été euh, euh, convoqués au tribunal sur des propos, sur des images, sur je ne sais quel encore acte qui révèle de on va pas dire d'un certain sens intellectuel ni sur un certain pragmatisme de la classe élitiste mais qui ont pas des discours <coughs> des discours qui sont pour le moins fallacieux qui sont ambigus qui sont dans un certain cadre des propos tout à, fait quali tout à fait injurieux. Nous pensons que la société médiatique dont 9 milliardaires possèdent 90% des médias d'aujourd'hui en France ont aimablement qualifié le mot con comme non pas quelque chose qui est offensant, mais quelque chose qui révèle du langage courant, voire même qui n'est plus du tout une insulte et qui est un passe-partout pour toute cette classe médiatique. On m'objectera que je suis un libertaire, que j'ai des propos chocs, que j'ai des propos qui sont parfois à la limite, j'ai pris un parti pris, je le défends, je le conçois. on m'objectera que bon nombre de la population française et de l'humanité en général n'est pas con qu'on qu a mis tout en place une série de méthodes, notamment l'école, la famille, la socialisation, l'entraide, la culture, qui permet d'émanciper la conscience individuelle et collective, qui permet à euh, l'individualisme de s'émanciper, qui permet, entre autres choses, de devenir quelqu'un, d'avoir des propos qui ont du sens, qui sont rationnels, qui sont clairs, nets, précis, et qui font sens, et qui, avec toute cette masse, peut avoir un débat construit, argumenté, dont nous avons ici une petite euh, preuve de ce débat. Et donc, on dira que celui-là, sous de faux prétextes, qualifie tout le monde, qualifie la classe la caste émergente, élitiste, qui ont le plus de connaissances d'imbéciles, de crétins, qui injurent à la population française, qui font honte à la nation, aux préceptes liberté, égalité, fraternité, et qui, sous de faux prétextes, Montrent un certain dégoût et qui font l'éloge du séparatisme. Je réponds tout cela que toute cette idéologie a été conceptualisée, notamment par Gramsci, avec l'hégémonie culturelle, qui montre, entre autres choses, que la classe dominante engouffre toute la masse, toute la population française toute la société française dans un mode de vision dans une mode de pensée que l'école a été pendant de nombreuses années euh, des motifs euh, de loi à répétition qui changent à chaque fois les programmes scolaires qui montrent, euh, que, euh, la, que, qui montrent que la mondialisation est quelque chose d'extraordinaire qui n'a aucun défaut que d'ailleurs la société n'a pas besoin euh, de tous ces prétextes imaginatifs, comme quoi il faudrait changer le monde, comme quoi la mondialisation serait quelque chose d'arbitraire, qui serait fallacieux, qu'il faudrait passer à un autre monde, à une autre Europe, à une autre économie. Euh, euh, toute la culture actuelle montre et démontre comme quoi, comme quoi, il ne faudrait pas changer les codes et les mœurs actuelles. Oh, je vais prendre l'exemple du rap. Tout le monde dit que le rap c'est fantastique, que c'est très bien, que c'est imaginatif. Pourtant, certains rappeurs et rappeuses font des propos qui vont à la limite euh, de l'illégal. Mais bon, sur les plateaux de chez nous, on va dire que tout ça c'est très bien. Quand un ancien euh, préfet euh, dit que la France insoumise est plus dangereuse que la rassemblement national, tout cela est normal, on se félicite. On peut, quand de nombreux politiques disent que le débat n'est pas possible avec la France insoumise, l'extrême gauche et cauchisme en général, tout cela... Et fallacieux, on peut avoir un débat avec tout le monde, tous ces propos revêtent de l'imbécile, dénigrent, tous ce, ces personnalités, toute cette idéologie, toute cette pensée, la dénigrent, la renferment, les font taire, et ainsi nous ne vivons plus vraiment dans une démocratie, car on ne peut plus avoir deux contradicteurs qui se parlent. Sans se couper la parole tous les dix secondes. Quand quelqu'un pose une question sur un plateau télé, on ne peut pas avoir une réponse qui est avec une queue et une tête. On ne peut pas sur les plateaux avec plusieurs candidats, on ne peut pas avoir des discours argumentés. Il faut toujours être dans le répondant de l'actualité. Il faut toujours avoir un discours. Au plus proche de l'actualité, sans avoir un concept, sans analyser froidement, rigoureusement tout ce schéma. Comment une actualité, par exemple les gilets jaunes, comment ces gilets jaunes sont apparus Pourquoi ils ont manifesté Pourquoi ils revendiquent certaines propositions pourquoi le gouvernement ne fait rien Pourquoi on ne peut pas avoir un diagnostic de tout cela et ainsi avoir une argumentation raisonnée Donc, Gramsci explique tout cela avec son hégémonie culturelle. La classe dominante dirige. La... Et eh ben, je vais conclure avec ça. La classe <laughs> dirigeante enferme la conscience intellectuelle, la, ne euh, voit pas d'autre visions que la sienne et ainsi on peut parler de manifestation de la bêtise car quand la classe dominante dit quelque chose d'onteux, de faux ou que sais-je encore et bien ce sont toute la société qui est contaminée comme par exemple l'islamo-gauchisme, qui gangrène la société avec ce discours qui est honteux et qui est faux. Merci à tous.